1, 2, 3. Salut tout le monde, ici Snektoot de retour avec Layers of Fear. Peut-être pour la dernière fois, en tout cas pour le jeu normal. Alors on était coincé ici, on savait plus vraiment comment on devait avancer, mais je me souviens que dès qu'on prenait ça, bah ça ouvrait et ça fermait des trucs. Je sais pas si c'est un rapport parce que c'est vraiment mis en évidence ici. Mais en tout cas, la pièce réapparaît à chaque fois et on est foutu. Donc je me demande... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on serait pas en train de rater un truc? Si, on est sûrement en train de rater un truc. Peut-être que le jeu essaie de nous prendre pour des cons. Comme depuis le début. Bon, ici on avait regardé... Ah, mais on pouvait pas faire ça avant. C'est un petit poids? Ben oui, c'est un poids. Bordel, je vous jure. Alors hop, du coup on peut prendre ça. Et on remplace avec 21 grammes. Oh, 21 grammes, c'est le poids de l'âme. J'avais raison depuis le début, là, quand je disais qu'on pesait notre âme. Alors, comment je sais que 21 grammes, c'est le poids de l'âme? Eh bien, il paraît, d'après une étude, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il paraît que quand on meurt, on perd directement 21 grammes. Ce qui voudrait dire que notre âme s'envole. Au paradis? En enfer? Je sais pas. C'est à vous de décider. Ok, bon, ben, on peut... Wow. Oh, putain, regardez-moi ça. Ah, si c'était une partie de poker, je vous jure. Allez, hop. Yes. Cool, du progrès. C'est ça qu'on aime. J'aime pas ça du tout. J'ai peur. D'accord, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ici, on est... On a déjà été... Wow. Vous vous calmez, les teddy bears. On vous a rien demandé, les gars. Keep rolling. Ah oui, Babyface, ça fait longtemps. Putain, tu fais vraiment flipper. Hein. Oh là là, mon gars, comment... Oh. D'accord. Je sais pas ce que c'est, ça ressemble à rien. C'est une main... Putain, un démon qui nous fait un fuck. Hein. Oh, pièce flottante. On peut pas la récupérer, bien sûr. Oh, mais dis donc. Qu'est-ce qu'on doit faire, du coup? Bon, peut-être que maintenant qu'il y a eu ça, on peut retourner à côté. Il va se passer quelque chose. Oh, oui, effectivement. Qui est en train de toucher au piano de ma femme? Oh! Mais dis donc! Très trop bien! Faut les coller. C'est tout? Oh putain! D'accord, hein, bah niquer ma maison, je vous dirai rien! C'est jamais que la milliardième fois! Oh bordel, qu'est-ce que. Oh! On se calme, maison! Oh mon dieu! Putain, on a réussi! On a réussi. Bon, on les a pas tous eus malheureusement. On a foiré. Est-ce qu'il y a des trucs... Oh, dis donc. Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, à récupérer ou... Je pense pas. Hein. Bon. On aura fait de notre mieux. Ah, il y a une dernière note ici où je rêve. Je te détestais, je crois que encore maintenant, je pourrais encore. Je comprends ce que tu dois ressentir, perdu, seul sans espoir, tu le mérites probablement. La seule chose importante que tu aies désirée, tu ne pourras jamais terminer. Bon, bah allez, hein, terminons-en. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que le portrait va être complet et joli? Ah ouais, c'est beau. Yes! That's it! Yeah. Oh mon dieu, on avait une main depuis le début! It's beautiful. Perfect. Attention. Just mec. Like I always imagined. Oh fuck. What? Qu'est-ce que... What is this? Salut, chérie. I don't understand. Oh merde. No. Stop it.
Please. Oh non. Oh, je crois qu'on n'a pas une bonne fin. So close. Ouais, on était si près. This time. On va mourir. I almost had it. Oh, ça veut dire qu'on a une mauvaise fin? Ou comment ça se passe? Ah, bordel. Ça ne me dit rien qu'il faille. Oh, quelle horreur. Bon, bah allez, hein. On va mourir, je suppose. Putain, on a eu la mauvaise fin, sérieux? Enfin, c'est une mauvaise fin? Je sais pas. Waouh, ça veut dire que tu recommences ça à chaque fois, mon gars? Mais t'es un grand malade. Oh putain. Oh mon dieu, quoi. On est encore plus dingue que je ne le pensais. On peut ouvrir ça encore? Non. Oh, dis donc. Bon, c'est la fin, on se casse, quoi. On va juste vérifier une dernière fois si on va pas rater des trucs, et puis voilà, quoi. Mais ça pue, quoi, je pense. Enfin, pour moi, c'est pas une bonne fin, quoi. Le gars reste dans sa folie, et puis... je me demande vraiment ce qui... ce qui fait changer les endings ou pas, quoi. Enfin, je sais qu'on a eu quelques choix... on a eu pas mal de choix dans le jeu, enfin, qui étaient pas évidemment... Enfin, qui étaient pas évidents, quoi. C'était pas évident que ce soit des choix. Bon. Bah... Ah bah dis donc. D'accord, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Ok. Waouh, quoi, le nombre de portraits que t'as fait, mon gars. Ah bah dis donc. Ok, donc il y en a qui était normal. Et à chaque fois c'est des portraits de sa femme, quoi, d'accord. Wow. C'est fou. Complètement fou. Bon bah d'accord, hein. Je sais pas si de rester ici c'est sain. Mon dieu, là je suppose que c'est le véritable état de la maison. Enfin, je suppose. Ah ouais, ouais, hein. Ah ouais, dis donc. Trop bien. Et c'est les crédits, en fait. Producteur exécutif. Ah, dis donc, c'est super original, ça, comme crédit de fin. Trop cool. Merci Conrad Requier, merci Marlena Babieno. Merci Mathieu Lénard. Merci Simon. Ah. Michat. Pavet. Oh, j'adore ces prénoms de l'Est, hein. Eric. Marius. Marena. Franzek. Mathéus encore. Janus. Bartos. Ah, ils sont beaucoup, hein. On va y aller comme ça, hein. Ah, dis donc. C'est comme le gars qui fait la boxe, là, le badass Manliman. Enfin, pour ceux qui connaissent le même, hein. D'accord. Ah bah, c'est très cool. C'est vraiment cool. Si on a des dessinateurs parmi nous, je suis preneur de ce genre de portrait. Cool. D'accord, allez, on va y aller. Par respect, on va tous se les faire. Ah, ils sont beaucoup des dents, hein. Ah, voilà, on a fini. Trop bien. Respect, les gars, respect. Vous avez vraiment, vraiment fait un beau truc, hein. Digne de pitié. Digne de pitié. Alors, ici, est-ce qu'on a des trucs? Oh, c'est la clé. Je suppose que c'est la clé pour le bureau, encore une fois. Dégueulasse. Bon, je m'attends pas à ce qu'on retrouve des trucs, vu qu'on n'aura plus accès au journal. Donc, à mon avis, on retrouvera plus de dossiers. Mais je suis vraiment, vraiment pour dire de... J'ai rien dit. Ma chère femme, je sais que ces derniers mois ont été terribles. Je sais que j'aurais dû mieux te soutenir, être plus attentif, moins égoïste.
Je ne reviens toujours pas de tout ce que j'ai pu te dire. Je pense que je n'étais pas destiné à être un bon mari, ni un bon père. Je pensais pouvoir être un très bon artiste, mais ce rêve touche à sa fin aussi. Il ne me reste maintenant qu'à faire de mon mieux pour te donner tout l'amour et la compassion que tu mérites. Tu es l'amour de ma vie. Ma muse, tu ne liras jamais cette lettre. Je suis désolé. Ouh! Ouh là 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 là! Oh! Right in the fields! Oh là là, ça fait mal! Ça fait tellement mal! Tirez-en une bonne leçon, mes chers abonnés d'amour. Aimez toujours les êtres qui vous ont cher, tant que vous le pouvez. D'accord, ça c'était la chambre à coucher, hein, qui est aussi toute défoncée. Ah, on peut encore... on peut une dernière fois faire de la musique. Bon, rien ici. Rien là. Ah, ouvrons un peu l'armoire finale pour voir. En tout cas, je pense pas que le jeu va nous faire un dernier jumpscare. Quoique, après, on va toujours être... on va toujours être sur nos gardes. Mais je pense que là, c'est vraiment le moment final où ça se calme. Et puis voilà, on a la résolution de l'affaire. Ah bah ouais, on est con, il n'y a pas de disque. Bon bah, yeah. Alors, par là, est-ce qu'on peut aller par là? Non, c'est fermé. Il ne reste plus qu'à descendre, hein. À peu près tout visité. C'est dommage, hein, c'était vraiment une belle maison. Toi, encore là. Par là, rien. Par là. C'est ouvert. Ouh, la théière. Et dehors, il pleut. Bon, je pense pas. D'accord, il n'y a rien du tout. Tant pis. Là, c'est le bureau. Là, c'était la cave, non? Est-ce que ça va être ouvert? C'est ouvert. Bon, allons-y, hein, puis merde. Hein. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je veux dire... quitte à visiter, visitons vraiment tout comme il faut. Pour voir si on raterait pas des derniers trucs de fin de jeu. En tout cas, là, il n'y a que des boîtes. Je pense que là, ça va être fermé. On pourra pas avancer. Effectivement. Ouais, le jeu nous bloque comme ça. Hein. C'est pas bête. Mais par là, il y a... Non, il y a juste le vieux piano, hein, qui n'a plus ses pattes. Mon Dieu! Il faut l'euthanasier. D'accord, ben remontons alors. Ah, mais quelle tristesse, quoi, je vous jure. Quelle tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse. D'accord, par là c'est le bureau. Là. On n'a rien. Là, on n'a rien non plus. D'accord, rien du tout. Putain, le nombre de trucs qu'on peut ouvrir, donc c'est dingue. Là, rien. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il n'y a rien. Mais alors, rien de rien. Là, on a déjà vérifié. Par là, il y avait d'autres pièces. La cuisine, mais bien sûr. Bien sûr, la cuisine. Alors. Ah, c'est un texte, ça? Non. C'est une feuille de papier random. Bon, tout ça, on peut ouvrir, je sais, mais je pense que ça ne me servira à rien. On peut plus peser notre âme. Par là. What the fuck, des arbres magiques? Vraiment? D'accord. Bah, nous reste plus grand chose à visiter. Peut-être le bureau. Enfin, peut-être l'étude, la salle d'études, mais... ok, d'accord, c'est là, la clé, c'est pour ça. Et on peut pas juste se barrer, en fait? Non, apparemment, non. Hein. Mais what the fuck, mais il y a un texte, par contre. Monsieur, ceci est un rappel concernant votre retard de paiement du 26 janvier de cette année. Ci-joint un relevé de votre compte à titre d'information, votre commande a donc été suspendue. Veuillez régler la somme due dans les 7 jours. Si vous ne pouvez pas payer la totalité, merci de nous contacter pour établir un plan de remboursement acceptable pour les deux parties. Sans nouvelles de votre part, nous nous verrons forcés d'entamer des poursuites judiciaires. En vous remerciant, Ronald Wilkins. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ben, pas trop le choix, on va passer par là alors, hein.
mais quelle déchéance, je vous jure. Bon, ben on est dans le bureau, version monde normal. Je me demande ce qui va se passer. Alors, tous nos croquis sont toujours là, bien sûr. Alors, je me demande s'il n'y avait pas un dernier croquis, mais je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y aura un dernier croquis par ici. Ça m'étonnerait fort. Mais bon, après, qui sait ? Bon, d'accord, rien, même pas un petit texte. Il n'y a plus rien ici. Plus de cadavres de bouteilles. Ah, un dernier texte, mais avant, quand même, vérifions si vraiment on a tout. Oh ! Ah, dis donc, qui a allumé la lumière ? Pas moi, hein ? Alors là, toujours comme d'hab, là on peut plus ouvrir, tout est fermé. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille, hein. Ça pue tellement la fin. Ça pue tellement la fin. Alors, peut-être là ? Peut-être que maintenant qu'on a fini... Non, il n'y a rien. Vraiment rien. Bah d'accord, lisons ce dernier texte, qui je suppose sera la véritable lettre. Non. Je comprends ce que tu dois ressentir, perdu seul sans espoir, tu le mérites probablement, mais même pour toi, il y a encore un moyen d'auto-récupérer la seule chose importante que tu désirais terminer. Bon, je pense qu'on n'aura jamais eu la lettre vraiment terminée, hein, mais je pense que c'est la femme qui disait que je te déteste, mais je t'aime, en gros. Putain. D'accord, et donc le cycle recommence encore et encore et encore. Nous n'avons pas réussi à échapper à nos démons antérieurs, nos démons passés, malheureusement. C'était Layers of Fear, une des fins en tout cas, je suppose que c'est la mauvaise fin, ou il y a peut-être encore une fin encore plus mauvaise que ça. Je sais pas, je suis pas sûr de vouloir essayer de faire toutes les fins, en tout cas sur la chaîne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le DLC, Inheritance, qui peut être traduit plus ou moins par héritage. Ou d'après ce que j'ai vu, on va jouer la petite fille, qui aura aussi des petits soucis comme son papa. Donc on verra bien, on verra bien. Donc ce n'est pas fini, hein. Le let's play n'est pas fini. Comme j'ai eu le DLC, on se fera aussi le DLC. J'ai vraiment vraiment adoré cette expérience. Bon, j'ai vu quelques commentaires qui disaient que le jeu fait un peu jeu d'horreur 101. Le truc un peu de base, un peu en couloir et il n'y a que des jumpscares. Oui et non, c'est vrai que le jeu n'a pas vraiment de gameplay en soi, parce que voilà, il n'y a pas de monstre où on ne doit pas s'enfuir d'un monstre, on ne doit pas combattre. Il n'y a pas des contrôles vraiment complexes. Mais cela dit, c'est le genre de jeu qui a tout son impact quand on y joue pour la première fois. Parce qu'après, la deuxième fois, la troisième fois, ben on sait déjà un peu ce qui va se passer, même quand on essaye de faire des fins différentes, etc. etc. Mais... le fait que l'histoire soit racontée par rapport à... avec tous ces petits textes, tous ces petits trucs intéressants, je trouve que c'est vraiment cool. L'univers, les décors, les graphismes sont vraiment, vraiment magnifiques. Et c'était vachement original, quoi. Je veux dire, tout faire à travers les peintures. Tout ce côté symbolique, hein, finalement. C'était vraiment, vraiment cool. Je comprends pourquoi le jeu a eu le succès qu'il a eu quand il est sorti. On sent vraiment l'influence de Pity, bien sûr. Et ce n'est pas un défaut, hein. Bien sûr, c'est plutôt bien. Mais cela dit, ça me fait encore plus mal au cul, parce que voilà, qu'est-ce que Pity aurait pu nous offrir, quoi. Qu'est-ce que Pity aurait pu nous offrir, parce que ça... D'ailleurs, Sophia était très bien, mais comparé à Pity, la petite démo, quoi, de ce qu'aurait pu être Silent Hills, mais... pour moi, rien n'a encore égalé la frousse que j'ai eue en jouant à Pity. D'ailleurs, j'ai encore Pity sur ma PlayStation 4 et je ne la supprimerai jamais. Jamais, jamais, jamais je supprimerai Pity de ma PlayStation 4. Impossible, étant donné que... Don't loot back, mais va te faire ! Va te faire, espèce d'enflure ! Comment ils se foutent de moi, là ? J'ai pas peur, hein ? J'ai pas peur, je vais juste pas regarder en arrière parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que toi tu me le dis. Sérieux, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il nous reste encore plus ou moins 10 minutes, donc moi ce que je dis, c'est qu'allez, on est des oufs et on commence directement le DLC Inheritance. Nouvelle partie, allez go. Oh, une petite fleur. C'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Bon, je me demande ce que ça va être, par contre, parce que j'avais vu quelques images, quelques vidéos à l'époque du jeu normal. Mais alors, le DLC Inheritance, j'ai vraiment 0 indice de ce que ça pourrait être. Donc ça va être découverte, totalement découverte, c'est cool. Et en tout cas, j'espère que ça va être au moins aussi bien que le jeu de base, si pas plus. Ah, et puis cette musique. Ok, c'est parti. Petite intro, je voulais savourer. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Oh merde. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Oh putain. S'il y a plusieurs fins, je pense qu'on va rater ça, mademoiselle. Hein. La maladie, la folie et la mort étaient des anges qui ont entouré mon berceau. Et ils m'ont suivi tout au long de ma vie. Putain, mais on est encore dans la maison? Oh mon dieu, non! Appuyez sur L3 pour allumer la lampe torche. Oh, quelle horreur! Non! Pile poil au moment où je pensais que le jeu ne pouvait pas être plus flippant. V'là que maintenant, on va devoir se promener dans la maison avec une putain de lampe torche. Oh là 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 là. Cher ami, aujourd'hui, avant de partir pour mon nouveau rendez-vous, je vais tenter une dernière fois de communiquer avec toi. Comme tu as à l'évidence décidé de ne répondre ni à mes lettres ni à mes appels, je vais tenter de parler avec toi face à face. Si tu lis ceci, alors c'est que j'ai complètement échoué. Je te prie de m'en excuser. Si tu devais m'ignorer, je glisserai cette lettre sous ta porte. Avec un peu de chance, tu pourras au moins la lire. En souvenir du bon vieux temps, si je t'ai mis mal à l'aise en cognant à ta porte, sache que ce n'était aucunement mon intention. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai trouvé une solution miraculeuse à ton problème, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Sache quand même qu'en tant que représentant légal, j'ai toujours fait de mon mieux et c'est la stricte vérité. Hélas, j'ai peur que les problèmes dans lesquels tu te débats dépassent de loin mon expertise. Arrivé à ce point, je ressens urgemment le besoin de te demander d'envisager de te faire aider, mais soyons honnêtes, si tu avais dû m'écouter, tu l'aurais fait depuis longtemps. Je regrette que cela doive se terminer ainsi. Sache que je penserai toujours à toi et à ta famille, ton vieil ami, James Jérôme Sadler, avocat. Ah là là, je sens que ça va nous jouer des tours. Le retour du bébé au gros boule qui se fait kidnapper. Oh, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ça va être horrible, ça va être la frousse. Oh putain, je me demande comment la maison va changer. Jusque là, c'est très très calme. Quoi? Ok, ça va, c'est juste de la musique qui n'est pas dans le monde. Ouh là 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 là, ça pue. Comment ça pue? Oh là là, ça pue. Ça pue vraiment vraiment vraiment. Ah, pas de texte, mais un couteau. On pourrait pas s'armer une fois, je veux dire. On pourrait pas juste prendre un couteau. Ça serait cool, non? Ma chérie, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, j'ai essayé de comprendre. Ma chérie, aide-moi, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu fait cela? As-tu cru qu'il n'y avait pas d'autre solution? Dis-moi, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai fait de mon mieux, tu le sais, je t'ai tout donné. Espèce de sale garce égoïste, pourquoi m'as-tu nous a fait ça? Putain, l'ambiance est vraiment encore plus creepy, quoi. Ah, c'était nous, ça! Ben oui, c'était nous. Putain, il est trop stylé. Elle est trop stylée, cette montre à gousset. D'accord, ici, il n'y avait rien. Ici. Rien non plus.
Est-ce qu'on peut... Est-ce que le bureau est ouvert? Le bureau est ouvert, mais... C'est ouvert, mais pas de peinture, hein. Pas de peinture. Ouais, tout était vraiment écrit, quoi. Mon Dieu, quelle horreur. Oh! Creepy as fuck! Wow! Est-ce qu'on va avoir des trucs par ici? Non. 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 Eh non. Oh! Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que? Pardon? Wow, le temps de chargement, là, c'est un gros truc qui est en train de se charger, du coup, là, non? What in the fuck? Wow, 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 d'accord, ma vieille. Tout va bien. Là, on a déjà un choix, c'est sérieux? Ok, donc on a le choix entre faire ça à la peinture ou faire ça avec un bon gros pastel. Oh, bordel, ça pue déjà. Alors, ok, réfléchissons un petit peu. Symboliquement, si on choisit le pinceau, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va suivre la route du père qui était peintre et du coup la route de la folie? Et du coup, si on choisit le pastel, est-ce que ça veut pas dire qu'on reste pur quelque part et que voilà, on accepte la part d'enfance en nous et peut-être la part d'innocence en nous? Je pense que je vais choisir le pastel. De toute façon, on peut pas prendre les deux. Quoique si, on peut prendre les deux. Mais du coup, ok, ça va, ça fait disparaître. Non, on va tenter le pastel. C'est ma logique. What are you doing? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. D'accord. Wow, mais c'est super psychédélique, trop bien. Ah, on a fait le bon choix en tout cas, visuellement parlant, ça me plaît beaucoup. Putain, mais c'est énorme en plus. En fait, on est dans une forêt dessinée par la petite. Qu'est-ce que c'est? Waouh, mais c'est trop cool! Ah, mais du coup, on peut changer de monde peut-être, c'est ça? Ça sert à changer de monde, c'est ça? Waouh, mais waouh, mais waouh, c'est trop bien! Et si on suit ce petit chemin là? Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête où plusieurs gredins me prenaient la tête. Mais comme je suis un bourrin, je leur pète la tête! Alors. Bon, par là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. On va suivre le chemin par là. Là où il y avait de la lumière. Mais c'est... En plus, la zone est vraiment énorme. La zone est gigantesque, quoi. Bon, bah, allez, hein. Suivons la lumière. Au bout du tunnel. Je n'aime pas trop les bruits que j'entends, là, tout de suite. Oh putain. D'accord, danger, danger, serpent venimeux. Laisse-moi sortir. Creativity is not a toy, it's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Waouh, d'accord, on découvre une nouvelle facette du papa qui forçait la petite fille à... À travailler dur peut-être. Ouais, c'est vrai que ça on le savait pas trop, hein. On savait que la petite aimait dessiner, mais... Bon, ben on continue au pastel, alors. Oh, le pauvre poney. Je vous ai dit, fois et fois encore. Je ne vous laisse pas perdre du temps dans ces doodles mindless. C'est pour votre propre bien. Waouh, d'accord. Donc le papa l'obligeait à peindre, vraiment. Mais c'est hardcore. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on va pas suivre la voie du père, pas du tout, là. Vraiment, vraiment pas du tout.
Je suppose que c'est peut-être bah, par là. Peut-être faut suivre la lumière, je suppose. Waouh, trop bien! Excalibur! Je suis le roi des Bretons! Alors. Wow! Wow, 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 quoi? On est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai rien compris à ma vie là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un train qui nous a foncé dessus. Et si on suivait cette route là maintenant? Ah, il est mystérieux ce DLC, j'adore! Plutôt par là? Oh, trop bien! It's Pinkie Pie! Alors. Par là peut-être? Waouh, mais c'est trop cool! Et on peut vraiment y aller! Waouh! Ah, on est bien dans notre maison là. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous permets pas. Wow, wow, wow! Ouais! Non, non, non! Pas le retour des poupées, s'il vous plaît! Je vous en supplie. Non. C'est tout? Oula, 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 qu'est-ce que c'est? Putain, c'était rapide. Et comment je fais pour descendre maintenant, espèce de connard? Mais t'es vraiment qu'un gentil petit soldat. Je t'aime beaucoup. T'es le meilleur. Retourne chez toi. Eh mais t'es un dingue. Eh mais mon gars, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non hein. Tu stops, tu cesses tout de suite. Putain. J'ai dit tu cesses, j'ai pas dit. Bah merci hein. Vraiment merci hein. Ça commence vraiment vraiment bien là hein. Putain, je vous déteste. Je vous déteste tous. C'est bien, on a retrouvé un pastel. Prends le pastel. Are you trying to annoy me? Oui. This is not what I've taught you. Tu m'as rien appris, gonflure. D'accord, alors. Je suppose qu'on doit suivre la lumière encore une fois. J'ai toujours pas compris ce qui nous a tué l'autre fois là. Peut-être le serpent. D'accord, alors par là. Oh, j'aime pas ce bruit, le serpent est là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est bien, on peut continuer. Oh non, les pauvres Ozio! Ah, lui, il en a chié plus que les autres. Allez, go! What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you! Waouh, dur, mais tellement dur là. Wow. C'est pas sérieux. Je me demande vraiment ce qui se passe si... Non, j'ai vraiment envie qu'on fasse le full pastel. Full pastel. D'ailleurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai hâte de découvrir la suite. Putain de serpent, je déteste ce bruit. Oh, dis donc. Je pense que c'est par là qu'on va aller à notre prochain épisode. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Sneak Toot avec Layers of Fear. Et bah à bientôt pour un prochain épisode de Inheritance, le DLC de la mort qui tue qui me plaît déjà énormément. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Mouah.